Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la Sister Mystery. Donc je ne suis pas en compagnie de ma sœur Nala, je suis toute seule. Donc je vais faire en fait soit une souris, soit un petit poisson en pâte fimo. Donc c'est parti. Donc je vais commencer, je vais prendre de la blanche, de la rose et de la orange. Donc je vais prendre de la pâte orange, de la pâte rose et de la pâte blanche. Donc je vais les mélanger. Je forme une boule. Je les mélange pas trop pour bien qu'on voit les couleurs. Donc vous prenez de la pâte bleue, prenez des petits bouts. Et la petite nageoire. Donc je colle le tout sur mon petit poisson. Donc j'ai fait le corps. Donc maintenant je vais faire les yeux. Donc on installe tout ça pour faire les yeux. Voilà, donc j'ajoute la petite bouche, un petit truc violet pour faire comme si il était en train de manger quelque chose. Et le tout est terminé, faut juste laisser sécher pendant une nuit. Donc on va faire une souris maintenant. Donc vous aurez besoin de pâte bleue, de pâte blanche. Et on mélange le tout. Ah, regardez mon chat, il est sans lit. Ah, c'est pas trop belle. On fait une petite boule. On l'aplatit un peu pour faire une forme à peu près d'une souris. Donc voilà. Donc on mélange de la pâte rose avec un peu d'orange. Donc voilà pour faire les oreilles. Donc vous faites une petite forme d'oreille. Fumez. Donc, vous prenez de la pâte orange. Vous faites des petites boules que vous mettez, des petites boules orange cette fois, que vous mettez sur votre oreille. Voilà, ensuite vous venez la coller où vous allez faire votre tête. Moi, je fais des assez grosses parce qu'en fait, mon hamster, en fait, j'ai un hamster. En fait on dirait une souris, enfin pas vraiment, parce que je fais des grosses oreilles parce que mon hamster a des grosses oreilles, c'est trop mignon. Donc vous mettez le blanc sur le noir sur le blanc, donc on y colle sur notre souris. Donc on fait un petit cerf, enfin petit rond, petite boule, je crois que je l'ai un peu trop mis. Une petite boule pour faire le nez de la souris, on y colle. Donc vous faites un petit boudin pour faire la queue et vous y collez. Vous faites la forme. Voici notre petite souris. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker et surtout à vous abonner.